population de Mbunda, que Dieu vous bénisse. People of Mbunda, may God bless you. Venez à côté, ce sont les peuples de Dieu. They are the people of God, they should come closer. Pourquoi ils sont tellement? C'est mes amis. Why are they so far? They are my friends. Amen. 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 Si on est tous les enfants de Dieu et les amis, if you are all the children and the sons of God, on soit un peu ordonné. Let's be order. Et puis on fait aussi moins de bruit pour qu'on peut tous se comprendre. And let's not make noise so that we should understand each other. Il y a personne ici qui doit vous afficher. Vous êtes venu pour Dieu, vous n'êtes pas venu pour quelqu'un. Nobody should force you. You came. Donc soyez libre. So be free. Et soyez un peu responsable pour que nous tous on peut bien parler ce soir et prier à notre Seigneur Jésus Christ. So be responsible so that we should talk together and pray for our Lord Jesus Christ. Amen. Première chose. First of all, vous n'êtes pas venu ici pour me voir. You have not come here to see me. Vous êtes venu pour adorer notre Seigneur Jésus Christ. You came to worship our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Moi, je suis juste votre frère. I am only your brother. Vous êtes mes sœurs. You are my sister. Vous êtes mes frères dans le Christ. You are my brothers in Christ. Donc la seule personne qui doit être honorée, c'est qui? So the only person that must be honored is who? Moi, je suis quelqu'un. Je suis rien. C'est Jésus Christ qui est le Tout-Puissant. Jesus Christ, c'est le Tout-Puissant. Pour Jésus Christ. Put your hands together for Master Jesus. Ce n'est pas pour moi que vous acclamez. Acclamez pour Jésus Christ. You are not clapping for me. Put your hands together for Jesus. Amen. Première chose. First of all, je suis très content. I'm so happy d'être avec vous aujourd'hui. To be among you today. Parce que c'est Dieu qui a fait. Because it is the doings of the Lord. Ce n'est pas pour rien que vous avez laissé la maison pour venir ici. You did not leave your house to come here. Vous avez les choses très importantes à faire. You have so many important things to do. Votre agenda est vraiment lourd. Your agenda is heavy. Mais vous avez trouvé un petit temps. But you have found a little bit pour venir ici pour qu'on adore Dieu ensemble. Clap for Jesus. Et la Bible dit que ceux qui honorent Dieu, Dieu va t'honorer aussi. Those who honor God, God will honor them in return. Et ceux qui viennent dans la présence du Seigneur Jésus Christ, and those who come in the presence of our Lord Jesus Christ, tu ne rentres pas le même. You can never go back the same. Tu ne rentreras pas le même. You can never go back the same. Tu ne rentreras pas le même. Là. Je veux d'abord souligner certaines choses ici. I would like to underline something here. Peuple de Dieu, people of God, il y a beaucoup de gens, so many people, qui ont eu à mal prêcher la parole de Dieu, have had to preach the word of God wrongly, qui ont eu à un peu salir les choses de Dieu, to stain the things of God. Peuple, population de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est la même. People of God, it's not everybody that is the same. Et tous ces gens qui font ça, ce n'est pas les gens qui viennent du ciel. And those who are doing quelqu'un qui vient are not from heaven. Il commence à prendre vos matériels, vos agents, vos ceci, cela. Those who come and il ne vient pas de Dieu. They are not. Dieu a donné gratuitement et on doit vous donner. God has given freely and they must give it freely also. Oui. Et qu'aucune action d'un homme de Dieu vous décourage de honorer Dieu. And no action from a man of God should discourage you, okay, from serving God. Nous ne sommes pas venus ici pour la dénomination. We have not come here for denomination issues. On n'est pas venus ici pour dire qu'on est les catholiques, on est les OEC, on est les prébédéens, on est les ceci, on est. Non. Or whatever, no. On n'a pas de limite. Dieu, c'est un seul Dieu. We have no limits. God is only one God. Et en plus, on n'est pas venu ici pour faire une église. On est venu pour faire la croisade ici et pour prier pour vous. You have not come here to make a church, but for the crusade and to pray for you people. Amen. Amen. Voilà. Parce que le Seigneur m'a envoyé ici en Mbunda. Because the Lord sent me here to Mbunda. Je vois vraiment l'amour de Dieu pour Mbunda. I can see the love of God for Mbunda. Est-ce que vous savez que Dieu aime ce Mbunda? Do you know that God loves his Buddha? C'est
pour ça que Dieu vous a donné beaucoup d'avocats. Thank you so much, Ben. Ok. Vous avez la Bible, vous le sortez pour qu'on commence à lire la parole de Dieu. If you have your Bible, take them with you so that we should start reading. Est-ce que vous avez la Bible à main? Are you having your Bible with you? Mes frères, si vous avez la Bible à main, my brother, c'est à la maison. Are you having your Bible with you? Peut-être vous avez oublié aujourd'hui, demain il faut apporter. Maybe you have forgotten today, but voilà. Tomorrow you should bring it. Toi, for Lord Jesus Christ. Acclamez pour notre Seigneur Jésus Christ. Please rapidly open your Bible. Rapidement ouvrez vos Bibles. Amen. Quand quelqu'un vient pour vous parler et dit qu'il vient de Dieu, que tout ce qu'il vous dit, ça vient de la Bible. Ça vient de où? De cette Bible. Qui ne vient pas vous tromper. Parce qu'ils sont beaucoup d'hommes maintenant. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Je dis, il faut qu'ils pas ouvrir leur boutique. Ils font les affaires au lieu de venir cacher des choses de Dieu. Donc, tout le monde qui vient vous parler, qui parle sur la base de la Bible. So those who talk to you, parole de Dieu. Let them tell you according to the word of God. Et quand quelqu'un te parle et que ce n'est pas dans la Bible, n'honore pas. Ne le fais pas sinon tu es en train d'obéir le diable. And whatever somebody tells you which is not scriptural, don't honor it because you are obeying the devil. Amen. Amen. Ouvrez la Bible dans le livre de Psaume. Psalms chapter 1 verse 1 and 2. Chapitre 1 verset 1 et 2. I start reading to you from verse 1. Oh, the joy of those who do not follow the advice of the wicked, who stand around the sinners, oh, who join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees that are planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Psaume chapitre 1, à compter de verset 1 au verset 3. Selon l'homme, à partir de verset 1, heureux l'homme qui marche selon les conseils, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. 3. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait réussit. Clap for our Lord Jesus Christ. Acclamez notre Seigneur Jésus Christ. The Lord is speaking here. Le Seigneur parle ici. That happy are the people. Que heureux sont ceux-là. Who are close to God. Qui sont proches de Dieu. Who are what? Close to God. Qui sont proches de Dieu. Heureux sont les gens qui sont très proches de Dieu. Et qui adorent Dieu. Pourquoi? Quand Why? Tu adores le Seigneur Jésus-Christ. When you worship our Lord Jesus Christ. Tu vas produire les fruits de ta vie à cette saison que Dieu a vraiment programmée. You bear the fruits of the law at the right time. Qu'est-ce que ça veut dire les fruits de la vie? What does it mean the fruit of life? Tu auras le travail. You will have job. Au moment de Dieu. According tu vas coucher. Au moment de Dieu. Marié. Au moment de Dieu. Bonne santé comme le Seigneur a programmé. Good health as the law has programmed it. Et maintenant, quand tu n'es pas avec Dieu, but when you don't have God, et quand tu ne suis pas Dieu, and you don't follow his, c'est à ce temps-là que tu verras qu'il y aura beaucoup de problèmes. You will discover a lot of problems around you. Le diable va venir avec les problèmes de gauche à droite. The devil will come and cause you a lot of problems. Ce n'est pas le plan de Dieu dans vos vies d'être malade. It is not God's plan for you to be sick. Ce n'est pas le plan de Dieu dans vos vies d'être It is not God's affligé. Plan for you to be afflicted. Amen. Amen. Tout ce deuil-là, pas eux. C'est demain ou non? Ça commence demain. Funérailles. Hein? Funérailles. Oui, c'est grave.
C'est le diable qui tue comme ça. The devil is the one killing like that. Est-ce que c'est Dieu qui tue? Can God kill? C'est qui? Like that? C'est le diable. Is the devil. Et parmi nous, les gens de Mbunda, les gens de l'Ouest, the people of Mbunda, the people, il y a ceux qui sont allés donner leur vie au diable. Some have gone to hand their lives to the devil. Certains connaissent, certains ne connaissent pas. Some they know, others are not aware. Et quand tu vas donner ta vie au diable, and when you give your life to the devil, tu commences à servir le diable. You begin serving the le devil. Le diable est venu pour tuer, it has come to kill, détruire, destroy, et voler. Trois choses. Combien de choses? Et parmi les trois, tu préfères laquelle? And among these three, what do you prefer? La tuerie, killing, voler, destruction, or destruction. Donc, qu'est-ce qui est de bon qui peut venir de diable? So what good can come from the devil? Et regardez donc, comme je parle là, look at it, il y a les crânes chevaux, there's cause in your les crânes, les hôtels, orders, les lieux sacrés que vous êtes en train d'adorer. Sacred places you are worshiping. Vous laissez Dieu, vous partez adorer les crânes. You leave God, you go and worship. Vous laissez Dieu, vous partez adorer les arbres. Trees. Est-ce que c'est bon? No. Voilà, c'est Dieu qui a créé cet arbre. Ce n'est pas Dieu. God is the maker of that tree. Is it not God? Ce n'est pas très stupide. Et même énervant que tu laisses le créateur de cet arbre. Is it not tu vas adorer ce que le créateur a créé. For you to leave the creator and go and worship the creature that he has created. C'est très très stupide. It's very foolish. Quand a créé l'arbre, qui est le plus grand? Le créateur. Is the creator that is the le créateur est le plus grand. The creator is the greatest. Vous laissez la personne qui a créé lui-même seul, sans l'aide de quelqu'un. He who created without the aid of anybody. Vous laissez le créateur là. You allow that creator. Vous partez adorer ce qu'il a créé. You go and worship what it has created. Est-ce que c'est bon comme ça? Is that good? Les gens ont été trompés seulement. People have vous voyez, been. Si ce n'est pas bon et que les gens font, est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils font donc? Ils ont été trompés seulement. It means they have been deceived. Amen. Amen. Ils ont été comment? Trompés seulement. They have just been deceived. Donc, et maintenant, si quelqu'un est en train de faire cela, il laisse Dieu. Il part dans l'eau. Comme on parle la minuit, ils sont là. Ils sont là. As we are talking, comme ils ont compris que la croisade s'y vient. Ils sont dans les lieux sacrés maintenant. En train d'appeler mon nom. Mais le feu qui va apparaître là-bas. Mais on a fait tous les efforts d'annoncer quand on faisait les doux. But we have done our best to announce. D'annoncer que qui ne lutte pas Dieu. That let them not fight against God. On a annoncé. We have announced it. Je ne suis pas venu ici pour tuer. I have not come here to kill. Je suis venu pour que vous soyez sauvés et délivrer mes peuples. I came so that you should be saved and deliver my people. Parce que à Bafoussam, because in Bafoussam, on était là-bas. You have been there. Les gens sont venus comme vous, comme ça là. People came as you gather today. Pour recevoir. To receive. Mais il y a les autres. Ils sont dans les hôtels. But boom, others boom, were in their hôtels. Boom, 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 boom. Ça ne marche pas. Que la croisade là ne marche pas. Let que quelque chose arrive. Boom, 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 boom. L'écran, je t'ai donné ton cola. Vas-y, allez troubler partout. Mais ceci. Ils faisaient là-bas, nous on était aussi au stade. On faisait pour nous, non? While they were doing theirs, we were also in the field, we were doing our own. Ils ont envoyé le tonnerre, ils ont envoyé le vent, ils ont envoyé la pluie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Storm, but not see finally happen. C'est pour cette raison que je suis en train d'annoncer. This is why I'm announcing. Ils sont là-haut. They are ils around. Sont là. Tu sais pourquoi il fait ça? Do you know what they're acting like? C'est toujours vos oncles. C'est vos soeurs. C'est vos uncles, sœurs. C'est vos... Anti. C'est vos tantes.
qui vous a possédé, hein? Quand ils vous a possédé, ils ont pris vos étoiles. Comprenez bien. Ils ont pris quoi? Ils ont pris vos étoiles. Voilà mon immeuble. En tant que tout travail, quoi? J'ai ma petite boutique, mais voilà un immeuble. Est-ce que la petite boutique là peut construire un grand immeuble comme ça là? Hey! Quand elle est en train de vendre le jamanjama au marché. Hein? Mais il a un immeuble, ça passe comment? C'est vos étoiles. C'est vos étoiles. Il y a les gens qui sont assis là-bas. Pas de mariage. Les belles, belles filles, pas de mariage. Les belles filles encore qui sont mariées, mais pas d'enfants. Il y a les jeunes qui sont là-bas diplômés, pas de travail. C'est eux qu'ils ont arraché au nom de la tradition. Ils appellent ça tradition. Ce n'est pas tradition, c'est un pratique occultique. Ce n'est pas la tradition. Ne suivez pas. Ils vous trompent. Si vous comprenez ce qui part dit dans les lieux sacrés là, quand ils passent sur l'écran là, boum, 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 tu connais Joséphine. Suis Joséphine. Prends ces étoiles, tu me donnes. Je veux un étage. Prends, tu me donnes. Prends, tu me donnes. C'est comme ça qu'il fonctionne. Tu vois la boutique de M. Jonathan là, pardon, fait qu'il abandonne les affaires, qu'il devient pauvre. Les problèmes commencent à te suivre de gauche à droite. Tu demandes, tu as fait quoi à qui? Rien. Après, la sœur là va venir. Mais M. Jonathan, c'est comment va les affaires? Quand il voit que c'est grave, il part dire que merci, grand. Merci. Merci. Et mes esprits, merci. Vous avez bon. Vous avez fait le bon travail. Voilà encore vos déchets. Voilà encore votre poule. C'est comme ça que ça se passe. Il voit un petit garçon qui grandit, qui est en train de fréquenter. Il voit l'étoile que ça va devenir un premier ministre dans ce pays. Un ministre ou un directeur d'une grande entreprise. Tu sais ce qu'il fait? Il dit que Jean, jusqu'à un légende, il peut voir ta vie dans 30 ans qui arrivent. Je vous dis, ces gens au Corti-là peuvent voir ta vie pendant 30 ans avant que ça arrive. Mais ils travaillent qu'avec les esprits, non? Les esprits peuvent voir dans l'esprit ta vie, l'avenir. La seule protection, la seule manière d'être sauvé. Jésus-Christ a dit que quoi? Maintenant, je suis quoi? La vie, la vérité, le chemin. Le chemin, la vie et la vérité. Demandez à Bafoussam. Les gens ont vu la puissance de Dieu. Ils disent qu'on ne veut plus l'écran là. On ne veut plus. Ils ont amené ça, on a brûlé là-bas. Ils ne veulent plus. Et tu vois, il y a les témoignages. Et les gens sont morts beaucoup. Les gens qui nous suivent là, ils sont morts beaucoup. À 3 heures le matin, dès que nos fidèles rentrent, un vieux papa de 75 ans, c'est eux qui tiennent les vies des jeunes. Ils sortaient, c'est eux qui étaient dans la maison en train d'envoyer le tonnerre. C'est eux. Ils sont. Mes filles, venez. Vous sortez où? Il dit que, à 3 heures, le papa là ne dort pas, il va dormir quand? Les gens au quartier là ne dorment jamais. En tout cas, tu trouves un vieux papa, à partir de minuit, dehors, interrogé. Papa, viens. Tu fais quoi dehors à cette heure-ci? Viens, papa, non. Vous riez? Ok. Vas-y, continue à rire. Interrogé. Demandez. Tu fais quoi dehors à cette heure-ci, papa? Tu ne parles pas, moi, je veux te chicoter. Le papa, là, va te dire la vérité. À 3 heures le matin, le papa l'a dit, mes soeurs, venez. Mes enfants, venez, vous sortez où? Il dit qu'on sort de la croisade là-bas, à Ousa Ongo. Quoi? Ongo. Ouache. Voilà. Et quand ils ont dit comme ça qu'ils sortent de la croisade, le papa dit que, hey, l'homme là sort où? On dit qu'il sort de toi, il dit, hey! Depuis les 75 ans, ils n'ont jamais vécu de ce genre de choses.
Qu'ils envoient le tonnerre, ça pas calé quand l'air ça rentre. Ils poussent, ça pas calé quand l'air rentre. On voit seulement un monde comme ça qui fait le tonnerre devient faible. Dis à ton voisin que la puissance de Dieu dépasse toutes les puissances. Amen. Et il était en train de faire les tours comme ça. Le puissant les a échoués. Ça les a... Voilà. Le puissant les a déçus. Hein? Il croyait que ça va sortir. Pia! Tu vois seulement le tonnerre. Bam, bam, bam! Ça n'a rien fait. Le tonnerre bâti, ça fait... Ça rentre. Un seul ange de Dieu a arrêté son coup comme ça. Un demi-ange même. Non, il ne faut pas un ange. Un demi. C'est eux qui ont créé le tonnerre, ce n'est pas le diable. Le diable, c'est un étranger. C'est Dieu qui a créé tout. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas créé peut prendre ce que quelqu'un a créé pour utiliser contre lui? Voilà. Ce sont les étrangers. C'est le locataire. C'est le qui? Quand le bailleur vient, le locataire va parler encore. Jesus is Lord. La Bible dit que c'est Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu de Daniel, Dieu d'Élie, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui est là. Hein? Bon. Si c'est lui qui a créé et c'est lui qui nous a envoyé sur terre, n'est-ce pas c'est nous qui sommes les bailleurs? C'est le diable? C'est nous qui... C'est mon père qui a créé. Tu as vu un fils où s'il vient dans la propriété de son père, tu vois comment il commande les gens? Il vient dans l'entreprise de son père, tu vois comment il commande les gens? Tout le monde respecte, non? Pourquoi? Tu n'obéis pas, papa, on va me renvoyer l'autre ici. Hein? Quand, dis à tout le monde, quand le bailleur vient, le locataire doit être... Et la Bible ici nous a dit quoi? Celui qui obéit Dieu, il lit la parole de Dieu, ces gens-là vont produire le fruit au bon saison. Saison donnée par Dieu. Tu ne vas pas rater ta saison. Tu ne vas pas rater. I am talking to you, you will not miss your season. I say you produce at the right time. You produce at the right time. And all of you that are hearing this voice. Et vous tous qui écoutez cette voix. You are not going back the same way. I say you are not going back the same way. You are not going back the same way. In the name of Jesus Christ. What will happen here is that ce qui va se passer ici, c'est que if you have not repented before, si tu n'es pas encore repenti, if you have not given your life to our Lord Jesus Christ, et que tu n'as pas encore donné ta vie à notre Seigneur Jésus, this is an opportunity. Voici une opportunité qui t'est offerte. Is what? An opportunity to repent and give your heart to Jesus Christ. Une opportunité pour te repentir et de donner ton cœur à Jésus-Christ. Amen. Amen. If you have not repented, let me see un homme. Ceux qui vont donner leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Clap for Jesus, clap for Jesus. The gospel of salvation is taking root. Et quand on donne notre vie à Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on doit garder encore les propriétés des diables? Non. Mes peuples, voilà ce que Dieu a dit. Vous allez voir Dieu tout à l'heure agir ici. Ne vous en faites pas. Hein? Voilà. Voilà ce qu'il y a maintenant. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois jeter les affaires des diables. Nous, ceux-là qui sont ici, qui forniquent encore, ne forniquez plus. Ne fais plus quoi? Dis à ton voisin, arrêtez la fornication. Quand tu fais le sexe avec quelqu'un que tu n'as pas encore marié, c'est
c'est le péché. C'est le quoi? Et c'est par ça que le diable passe pour vous. Boum. Hein? Pour vous faire quoi? Pour vous donner un coup de poing. La Bible a dit que quoi? Il ne fait plus voler. Ne volez pas. Il y a nos frères ici que quand la maman prépare la mamite, quand il a enlevé quelque chose dedans. La mamite. Non, il y a d'autres que c'est seulement la mamite, la viande. Quand on prépare, il a déjà enlevé la viande. La mère vient, il regarde, tous les morceaux là ne sont plus là-bas. Il est déjà parti. D'autres, c'est l'argent. C'est quoi? L'argent. Il ne veut pas voir le couleur de l'argent. Quand il voit, il vole seulement. Il vole. Il te regarde dans les yeux. Oh, tu as pris l'argent là. Quand? C'est dans son sac. Oh. C'est dans le sac. C'est là-bas, dans sa poche. Il n'a même pas vu. Alors qu'il a vu et prendre. Dans vos entreprises, ne volez pas. Ne touchez pas. Je vous dis, les conséquences de fait, c'est que Dieu ne vole pas. Mais peuple, est-ce que vous comprenez? Par exemple, tu as prié, tu demandes à Dieu, Dieu aide-moi. Ça reste peut-être 3 semaines pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu fasse comment? Mais voilà une petite opportunité pour voler l'argent qui va venir. Dieu devait te bénir peut-être 10 millions. Tu vois une opportunité de voler 500 000. C'est comme ça que tu cours derrière. Quoi, 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 boum! Tu prends 500 000 dans ta poche. Tu as perdu l'argent qui devait venir beaucoup d'un million. Tu as vu? Il y a un autre soeur, un homme te promet, il va te marier. Ou que ton mari est en train d'arriver. Peut-être 2 mois pour que le monsieur là vienne te marier. Il y a un voyou. Oh non, ce n'est pas un voyou. On appelle ça quoi? Un petit là, hein? Il vient te prendre ou pas te forniquer. Et après la fornication là, le diable va détruire le mariage qui est devant. Ne t'amusez pas, ne vous amusez plus avec vos vies. Non, jamais. Pourquoi le diable arrive à t'attaquer? C'est parce que tu as un péché dans ta bouche. Il y a un péché dans toi. Tous ces péchés-là, Dieu connaît que ça nous détruit. C'est pour ça qu'il dit on ne fait pas. Il y a beaucoup de gens, il y a nos soeurs ici. On a arrêté leur vie comment? Pas les enfants. Elles fréquentaient. La maman faisait quoi? Le chant. Ils se débrouillaient pour payer la scolarité, n'est-ce pas? Oh, ils vont seulement voir. Voilà Juliana, avec le ventre. Hein? La main de maman va faire comment? Donc tout mon champ là que je travaille, c'est pour rien. N'est-ce pas, c'est pénible? C'est pas pénible? Et si tu étais en train d'éviter de ne plus faire les choses comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être... Cette jeune fille-là est belle. Elle va s'éduquer, avoir ses diplômes en main. Ce pauvre maman-là qui faisait le champ, tu vas commencer à travailler. Maman, à ton âge ici, ne travaille plus. Je vais commencer à prendre soin de vous. Ce n'est pas ça? C'est ça. Et quand le diable voit l'avenir là, il vient avec un gars, il court derrière toi avec le bonbon et le poisson brisé. Pour détruire quoi? Non, pour détruire quoi? Tes belles voitures, ton ministre que tu veux. Le ministre va venir te marier que tu n'as pas fréquenté. Oh, hey. Quand il te prend, il vous emmène dans un milieu. Un peu grand, tu commences à faire comme un villageois là-bas. Non. Ça va donner. Le ministre va chercher une fille qui est éduquée, qui peut s'exprimer, qui peut comprendre les milieux de grands. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Mais quand le diable, les belles filles, ils sont pleins ici en bondage, je vois, ils sont là. Hein? Mais regardez, la plupart ont déjà 2 enfants à la maison. Moi je suis un prophète de Dieu, je veux sortir. Je peux venir là-bas, je sors. Ils ont 2 enfants déjà à la maison. Même 4, non? Tu veux tuer ta mère avant le temps.
enfant, ta mère faisait le chant pour te sponsoriser. Tu as même 4 bouches encore, plus toi, 5. Plus la maman, combien? Tu vas tuer la maman. Hein? Tu étais un seul bouche, non? La maman s'est débrouillée, tu mangeais, tu partais à l'école. Hein? Tu devais avancer jusqu'à faire sortir avec tous tes diplômes. Tu vois donc pourquoi le Seigneur dit qu'il ne faut pas forniquer. Si tu ne forniquais pas, tu devais te trouver dans une situation comme ça. Si tu ne forniquais pas, tu devais trouver les enfants que tu n'as pas encore mariés. Les enfants sont les bonnes choses, mais il faut le avoir dans le mariage. Et la plupart des hommes, le diable est utilisé maintenant trop fort. Comment? Quand ils viennent, hein, mes jeunes soeurs, ils sont là. Les jeunes soeurs, là, ils sont là. On est devenus les ennemis maintenant. Non, vous ne voulez pas la vérité sans bonda. Voilà. On continue. Ok. On est encore les amis. Voilà ce qu'il y a. Quand un jeune... Celles que le diable utilise, quand ils viennent, qu'est-ce qui arrive? Ils vont te parler. D'abord même, ils te demandent. Eh, où ils t'appellent ma jolie fille, ou jolie quoi, moi je comprends. Ou chouchou, ou coucou, ma chérie. D'abord même, quand les gars là commencent à t'appeler chérie, même à la distance, pardon. Ils vont te demander, qu'est-ce que tu aimes, les choses que tu aimes quand quelqu'un te fait. Tu vas être content. Et tu demandes. Et toi, tu vas prendre ta bouche et dis. Quand tu dis que tu aimes les bonbons, tous les jours tu auras les bonbons. Tu aimes le poisson brisé. Tous les jours, poisson brisé. Pour te détruire. Pour te faire quoi? C'est l'amour là-bas. Donc, tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour là, ça coûte que le poisson brisé. Hey! C'est un amour moins cher. C'est trop moins cher, non? Tu vois, voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il ne faut pas forniquer. Voilà encore. Tu as forniqué avec l'ami de quelqu'un. Il est aussi au quartier. Tu pars à Douala. Le monsieur là vient souvent à Bouda. Tu es à Douala maintenant. Et un gars te voit, je vais t'épouser. Il demande à mon ami là, mais voilà, j'ai trouvé une fille de chez moi à Bouda. Je vais l'épouser. Ouais, qui? Moi, je suis déjà passé dessus. Beaucoup de gens se sont déjà passés là-bas. Tu vas épouser, pardon. Cherche une femme qui est fidèle. C'est pas la vérité. Il faut être une femme noble. Dis à ton voisin, soyez une femme noble. Et gardez ta dignité. C'est très important pour vous. Il faut que si un homme vient avant qu'il a, il te voit, il a déjà coulé la soeur comme ça là. Il a fait quoi? Comme ça là. Et comme ça, il va dire que voilà, ça c'est un fille responsable. Plutôt ça encourage beaucoup de gars. Ne croyez pas que ça décourage. Plutôt ça encourage. Le soir, tu es à la maison, tu lis ta Bible. Tu lis tes cours, tu as la maison. Tu ne fréquentes pas, tu as la maison, tu dors, tu lis ta Bible, tu pries. On ne te voit pas trop. Il y a les femmes qui. Amenio, Bronwa, ils sont dehors. À quelle heure ils sont dehors? Ça, ce n'est pas les femmes de mariage. Une femme noble, oh, les respectueuses. Le quoi? Voilà. Quand quelqu'un clique la main comme ça, là, tu es déjà sous son lit. Qu'est-ce qui est important de toi? Quand il va finir même avec toi, dit que ma soeur, comme tu parles, ne reviens plus, pardon. Hein? Ne reviens plus. En anglais, on dit que you are a bad news. You are what? Bad news. Tu es un agent de fornication, mais il cherche une femme. C'est les deux maris. Est-ce que ça peut donner? Voilà. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ.
comme on est en train de parler, faites les efforts. Faites les efforts pour faire comment? Abandonner tous les propriétés des diables. Même si on prie pour vous ici, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Quand vous rentrez, il y a encore ce totem-là à la maison, ils vont toujours t'affliger. Ils vont toujours t'affliger. Vous dormez la nuit, vous ne faisiez que voir l'esprit de mort, les esprits des ancêtres, les esprits de mort. Quand tu rêves, tu vois l'esprit de mort, qu'est-ce qui arrive? La mort. Qu'est-ce qui arrive? Les sorciers là vont t'amener dans le monde de mort. Quand tu dors, tu rêves, tu vois les cercueils. Les cercueils, ça veut dire que quoi? On va te mettre dans un cercueil. Pourquoi? Les hôtels là que vous avez gardés. La Bible dit qu'ils ne vont jamais adorer les esprits de quoi? Des ancêtres. Les esprits de mort n'adorent jamais. Quand tu vas déterrer quelqu'un, tu enlèves la tête, tu viens mettre. Ça veut dire que quoi? Tu vois encore l'esprit de mort là. N'est-ce pas de ça? Quand quelqu'un est derrière moi, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus la même personne. C'est ça qui vous tue. Quelqu'un qui est mort, il est parti dans un monde où les choses là-bas, c'est les esprits. Tu connais comment les esprits comportent? Tu connais? Voilà. Clap for Lord Jesus Christ. Come on.
les gens à haute voix. Si vous doutez la parole de Dieu et vous dites que c'est quoi, venez devant d'abord. Je finis avec vous. Sinon, ne faites pas aucune bruit. La Bible dit que c'est très dangereux de parler contre les choses de Dieu. Si vous êtes là, vous doutez la puissance de Dieu et vous voyez que c'est un truc planifié, venez, je commence avec vous d'abord. Venez devant, j'attends. Viens devant, ne criez plus. Quand je commence à prier, pour que le peuple de Dieu soit libéré. Venez devant, vous tous. Si vous croyez que c'est un plan que les gens ont fait, que les gens tombent, ou quoi que ce soit que vous croyez là, venez. Ce n'est même pas vous, hein. Je vois les garçons là qui font le bruit. Venez ici. Et vous allez donc tester la puissance de Dieu. Voilà mon frère, voilà mon ami, bienvenue. Vas-y, voilà. 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 Laissez-le. Amen.
Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'ils sont finis? Venez, je veux prier pour tout le monde. Je ne dis pas qu'on ne va pas prier pour vous. On va toujours prier pour vous. Si vous croyez, vous restez là, on va prier pour vous. Mais je dis pour les gens qui doutent. Si vous doutez, venez maintenant, d'abord je prie pour vous. Vous qui sommes ici, on n'a jamais planifié quelque chose, non? C'est notre première fois, non? Voilà. Comme ça, certains sont possédés, certains sont malades, donc je suis en train de prier pour eux. Ce n'est pas un challenge, vous comprenez? Mais je voulais juste dire que ne restez pas derrière vous pécher en disant que c'est un plan. Non. N'est-ce pas, c'est vos frères ici qui sont passés devant? Je veux que vous croyez aussi pour que le Seigneur vous bénisse ce soir. Pourquoi le Seigneur fait quoi? Il vous bénit aussi ce soir. Que le Bensikina laisse le Bensikina et devienne le directeur des entreprises. Musulman. Parce que tu faisais la tête comme ça, non? Tu faisais d'abord la tête comme ça. Soyez délivré.
Non. Et attends, on a arrangé quelque chose. C'est un arrangement. C'est quoi? Dis que c'est la puissance de Jésus-Christ. Tu l'as déjà fait quoi? C'est moi qui nous contrôle. Hein? C'est moi qui nous contrôle. Pas en haute voix. C'est toi qui veux quoi? Contrôle. C'est toi qui le contrôle. Oui. Tu le contrôles comment? C'est moi qui possède sa vie. Tu possèdes sa vie comment? Dans tout ce qui se fait. Qui t'a donné l'activité? Tu as pris ta puissance où? Je ne peux pas vous le dire. Parle. Feu. Tu dis que tu ne veux pas dire. Tu veux dire. Vous ne pouvez rien faire. Hein? Vous ne pouvez rien faire. Amen. Tu dis que quoi? Vous ne pouvez rien faire. Que je ne peux rien faire. Oui. Le sol là où tu es couché, il allume le feu. Sous ton dos le feu. Sous ton dos le feu. Partout sur toi le feu. Dans les chaussures là le feu. Dans tes chaussures sur le feu. Dans tes chaussures là le feu. Le feu dans tes chaussures ici. Partout le feu. Le feu. Dans ton royaume. Le feu. Dans ton royaume. Le feu. Le feu, tu dis qu'on ne peut rien faire. Hein? Vous ne pouvez rien faire. Le feu dans ton royaume. Le feu dans ton royaume. Le feu là-bas. Dans ton royaume. Le feu là-bas. Emprise ton calabasse. Ta mamie le sorcerait là. Emprise ça. Ton serpent. Entuis ça. Tout est total. Fais quoi? Je vais partir. Tu dis quoi? Tu dis pardon. Parle encore, tu dis quoi? Le feu. Le feu. Jusqu'à tu vas dire pardon. Dis pardon d'abord. Dis pardon. Dis pardon. Hein? Peux pas. Tu ne peux pas. Le feu. On te pompe le feu. Dans ton royaume. Le feu. Dans ton royaume. Fire. 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 Tu vas dire pardon. Tu cries quoi? Tu cries quoi? Tu cries quoi? Hein? Le feu me brûle. Le feu te brûle. Sauvez-moi. Sauvez-toi. Tu vas te sauver seul. Tu as dit qu'on ne peut rien faire, non? Tu répètes encore qu'on ne peut rien faire. Tu dis ça. Tu dis qu'on ne peut rien faire. Tu vas dire ça encore. Tu vas dire ça encore. Tu dis quoi? Je vais sortir. Tu veux sortir où? Tu veux sortir où? De ce corps. De ce corps. Non, attends d'abord, ce n'est pas toi qui t'as arrêté ça. Tu as été arrêté par Dieu. Tu dis que tu ne peux pas dire. Je veux sortir. Arrête. Je veux commencer à te punir. Tu fais encore le bruit de punir. Laissez-moi. Chut. Debout comme un soldat. Gardez-vous. Coupez le café. Coupe. Tu ne coupes pas, je vais arrêter ton coup. Coupez le café. Avant qu'il cause de toi, tu as déjà coupé. Avant que j'arrive, toi, tu as déjà coupé le café. Gardez-vous et coupez le café. Vite. Gardez-vous, coupez le café. Coupez. Le sang de Jésus-Christ dépasse tout. Tu vas expliquer maintenant.
ton thème est où? Ton lieu sacré où? C'est interdit. C'est interdit. Ok. S'agissait entre ces gens-là et ce que je veux commencer à te faire maintenant. J'arrête ton cou. J'appuie ton cou. J'appuie. J'appuie. J'appuie ton cou. Je sais ton cou. Je sais. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler maintenant. Tu vas parler. J'arrête ton cou. Je sais. Sorcier. Je sais ton cou. Tu vas parler? Oui. Ok. Parle. Ton royaume est où? C'est la forêt. La forêt? La forêt sacrée. Quelle forêt sacrée où? Olumama. Hein? À Olumama. Olumama c'est où? C'est dans quelle ville? C'est au village. Le nom de village? Banga. Banga. Ouais. Village Banga, c'est où? C'est ici l'Ambunda. Ok. Dans quelle forêt là-bas, Banga? Tu dois parler très vite à haute voix. Vite! C'est dans la forêt sacrée. Alors, le nom de la place, là où la forêt se trouve? Saint-Michel. Hein? Saint-Michel. Bamel Fue. Vous connaissez Bamel Fue? C'est où? Qui connaît Bamel Fue? Combien de gens ici en Bouna, pas là-bas? Combien de gens? Nous sommes 18. Vous êtes à 18. Arrêtez, on a commencé l'affaire. On a commencé quoi? L'affaire de Bouna. Vous allez comprendre. Les gens qui partent là-bas, la forêt là, c'est combien? 18. Oui. On dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Et dans cette forêt là, les gens qui partent là-bas, c'est les qui sont en Bunda ici? C'est les qui? Ce sont les gens qui nous sont entrés sur. Hein? C'est l'esprit qui est entré sur. Voilà. Bon, vous partez là-bas, faire la réunion. Oui. Vous faites la réunion à quelle heure? À midi. À midi. Quand il y a le soleil. Oui. Vous partez là-bas faire la réunion. Vous faites ça pour gagner quoi en retour? En retour. Toutes ces choses-là que vous faites, vous êtes chargé de faire quoi aux gens? Vous faites quoi? Bloquer la vie des gens. Bloquer la vie des gens. Vous bloquez la vie des gens comment? Prendre tout ce qu'ils possèdent. Hein? Prendre tout ce qu'ils possèdent. Prendre tout ce qu'ils possèdent. Expliquez comment vous prenez. Vous prenez par quel moyen? Comment? Ok. C'est comme ton cou là se refroidit. Je vais arrêter encore. J'arrête ton cou. Non, je vais. J'appuie. Je sais. Tu veux boire l'eau? Oui. Je sais d'abord ton cou. À boire. Ok, tu veux boire l'eau? Tu veux boire l'eau? Oui. Lève-toi. Vite. Tu prends l'eau. Son système est déjà contaminé. Maintenant, vous prenez les chances des gens comment? Le maître dit que je ne parle pas. Ton maître c'est qui? Bonny Alain. C'est le nom de ton maître. Ouais. Regardez comment je vais convoquer ton maître ici. Dans ton. Donne le nom de ton rayon. Donne le nom. Le nom de ton rayon. Vite. Donne le nom de ton rayon. Je vais commencer à te chicoter. Et chaque chicote, ça te blesse. Ça te blesse, les blessures sont. Hein? Oh les quoi? Oh les mains. Oh les mains, c'est le nom de qui? Donne le nom de ton royaume là vite. Appelez le nom. Le nom c'est quoi? Dans cette forêt là, on te convoque de venir ici. Feu là-bas. Feu là-bas. Dans la forêt. Tout le monde. Convoque de venir ici par le feu. On te convoque de venir ici par le feu. Sur la barre, dans la forêt, à Bangam, sur la barre, sur la barre. Qui es-tu,
Donc tu es le maître qui est arrivé. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait arriver si vite? Qu'est-ce qui t'a fait arriver? Parce que vous êtes en train de frotter sur mon élève. Hein? Vous frottez sur mon élève. J'étais en train de faire quoi? De frotter sur son élève. Frotter sur ton élève. Oui. Donc, c'est pour ça que tu es venu. Oui. Qu'est-ce qui t'a convoqué de venir? Tu as vu quoi et ça a fait que tu viens? Le feu. Tu as vu le feu? Oui. Ça a arrivé où? Tu as vu le feu, ça apparaît où? Ça apparaît dans le ciel. Où? Au ciel. Où là-bas? Là-bas, là où tu étais. Oui. Le feu s'est apparu. Oui. Et te convoqué ici. Clap for Jesus Christ. Ton royaume est chargé de faire quoi, Bonnelle? Tu n'as pas encore goûté, non? Tu crois qu'on s'amuse ici? Fais! Ton royaume fait quoi aux gens ici à Bouddha? Hein? Les détruits. Détruits quoi? Vous détruisez comment? Où tu es? Hein? Non. Vous prenez seulement les chances déjà. Seulement les chances. Vous prenez ça comment? Expliquez. Ton élève ne pouvait pas, tu es arrivé. Tu connais bien. Expliquez. Oui. Oui. Expliquez. C'est grave. Nous prenons les chances pour grandir. Pour grandir. Grandir comment? Dans pour avoir quoi? C'est moi. Hein? Ok. Bonalem, oui. J'arrête ton coup. Tu veux que je te punisse? Bonalem? Non. Parle vite. Vous prenez les chances des gens, des peuples de Dieu, pour faire quoi avec? Pour survivre. Pour survivre. Donc vous vivez sur les chances des autres? Oui. Ok. Je vous ai dit ici tout à l'heure, non? Dans le message, je vous ai dit, non? Que c'est comme ça qu'ils prennent vos chances. Et quand il va te voir en route, oh mon fils, mon enfant, c'est comment? Que ça, son lieu sacré est là-bas. Donc, vous prenez les chances des gens, vous faites l'argent avec. Hein? Oui. Pour avoir de l'argent. Toi-même, tu as l'argent? Non. Tu n'as pas? Oui. Tu as seulement quoi? Les biens. Tu as quoi? Les biens. Les biens? Oui. Les biens comme quoi? Les maisons. Les maisons. Avec des voitures. Les immeubles. Oui. Avec les voitures. Oui. Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Rien. Hein? Rien. Tu travailles quoi? Rien. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Et tu as les immeubles. Oui. Tu as les voitures bonalien. Oui. Tu as pris les chances des gens. Oui. Hein? Et pourquoi avoir tous ces immeubles-là? Je veux commencer la destruction. Toutes ces choses-là que tu as conçues par les chances des gens. J'arrache toutes les chances-là, je remets au peuple de Dieu. Tu as rendu combien de gens captifs? Tu as rendu combien de gens? Tu as rendu combien de gens captifs? Oui, 15e. 15e. Oui. Tu as pris la chance de 15 personnes. Oui. Imagine que tu devais être un milliardaire. Une personne peut être un milliardaire. Et voilà. Ils prennent ta chance. Hey! Ils prennent encore 2 milliardaires. Il est riche. Mais tu es là sous le bain sécurité. Alors que tu étais milliardaire. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bon allez. Quand tu regardes ici, tu vois quoi? Tu vois quoi? Le feu est partout ici. Oui. Tu crois qu'on s'amuse ici? Oui. On détruit ton royaume par le feu. Oui. Par le feu. Oui. Je regarde ton royaume. Ton royaume. J'ai vu un mamie tante. École de Watt. Mamie tante. Mamie tante est pas ici. Canary. Non, pas calabasse. Il y a un mamie qu'on fait avec la terre. Canary. Je regardais ton royaume là-bas dans la forêt. J'ai vu le canari. Et dans ce canari-là, il y a le serpent que tu utilises. C'est vrai? Hein? Oui. Le serpent-là, je tue le serpent-là. Feu là-bas. Feu là-bas. Hein? 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 Le feu sur le serpent-là. Le feu. Le feu sur le serpent. Attends, vous. Vite. Debout. Debout. Allô? Amen. Regarde ce que je vois. Quand tu fais les sacrifices là, le serpent vient te vomir l'argent. Ce n'est pas ça? C'est ça. Ça vient te vomir l'argent dans la chambre. Ce n'est pas ça? C'est ça, monsieur. Ouais, il m'appelle monsieur maintenant parce que Dieu me montre. Clap for Jesus Christ! Je casse ce canari.
je tue le serpent là, par le feu, par le feu, feu là-bas, feu, feu là, feu, feu là, feu là-bas, feu, 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 feu. Serpent, commence à marcher, marche, serpent, marche, serpent, marche vite, à une vitesse, vas-y vite, serpent, marche, vite, à une vitesse plus grande, sinon le feu va arriver, j'ajoute le feu si tu marches pas en vitesse. C'est pas marche en vitesse. C'est fatigué. C'est pas marche vite. Ok. Quand je vais arrêter ton coup, tu vas marcher vite. Pff, j'arrête ton coup. Marche vite. Vite. Pff, j'appuie ton coup. Marche vite, c'est pas. Marche. Marche vite. Marche plus vite. C'est que j'arrête, c'est pas. Le moment. Le moment. Mets-toi debout. Bon effet. Tu vas partir. Hein. Tu sortiras de l'impré. Toi maintenant, est-ce que tu vas encore faire la sorcellerie? Non. Tu as encore fait ça? Non. Prends tes bagages, tu sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avant que tu la croix, tu es déjà parti avec tous tes éléments. Tu sors de ce corps, tu pars. On détruit ton royaume par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Dégage-y. Sors. 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 Debout. 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 Je détruis ton royaume par le feu. Avant que je construise jusqu'à toi, tu es déjà parti. Un. Deux. In Jesus' name. Sors. In Jesus' name. Thank you. Merci. Seigneur, merci. C'est quoi? Je te crois, Seigneur. C'est... Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère? Je me sens libéré. Tu te sens comment? Libéré. Tu te sens comment? Comment tu sens ton corps? En forme. En forme. Oui. Tu te sens. Amen. Tu sens lourd ou léger? Léger. 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 Ces esprits-là sont sortis. Merci Seigneur. Et tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Et tout ce qu'on a pris dans ta vie, tu retends ça. Merci Seigneur. Ta bénédiction, tout te revient au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.